Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Bruno Thévenon, historien de la ville de Lyon, journaliste, documentaliste spécialisé, plutôt dans le cinéma, mais très passionné par Lyon depuis toujours. Cette année, j'ai choisi de vous livrer, puisqu'on a été plutôt en manque ces derniers temps, de lieux culturels, de vous présenter l'histoire de tous ces lieux culturels qui parsèment la ville de Lyon. En effet, qu'évoquent encore de nos jours l'Alcazar, la Scala, l'Horloge, le Royal, le Paramount, la Cigale, comment sont nées la salle Molière, la Maison de la Danse ou le théâtre Nouvelle Génération, qui parle autant de nos jours, où se trouvait donc le Casino Kursaal, le théâtre Bellecour ou encore le Crystal Palace, qu'est-ce que les lacs, le Zoom, le MUTG, Musée Urbain Tony Garnier, le cirque olympique, etc., etc., à quoi renvoie la bourse de travail. Tous ces lieux sont des lieux à vocation plus ou moins culturelle. Voilà pourquoi je vais faire un certain nombre de conférences organisées autour des grands thèmes de la culture. Une première conférence sera en effet consacrée aux salles de concert, aux lieux de diffusion de la musique, de l'opéra et de la danse, et Dieu sait s'ils sont nombreux à Lyon. J'évoquerai ainsi la création de l'auditorium Maurice Ravel, la création ou la présence du Palais d'hiver, où les Lyonnais ont pu voir Édith Piaf, ou les grandes heures des Yéyés. Qu'est-ce qu'était la Maison des concerts, où un certain Wolfgang Amadeus Mozart est venu se produire à l'âge de 6 ans, ici à Lyon. J'évoquerai aussi tous les ciné-concerts disparus, les salles municipales Molière et Rameau. Tout ça, ce sera donc consacré aux concerts de diffusion de la musique, de l'opéra et de la danse. Une deuxième conférence donnera lieu aux différents lieux, justement, de muséographie et de collection. Ce sont en gros les musées. J'évoquerai évidemment le passé du musée Guimet, comment est-il passé d'un lieu où on patinait à un lieu un petit peu en perdition, on se demande ce qu'il peut bien devenir, le musée Guimet, mais aussi comment est né le centre d'histoire de la résistance et de la déportation, ici à Lyon, capitale de la résistance. On évoquera aussi toute l'histoire du musée Gadagne et de la marionnette. On évoquera aussi le musée des Beaux-Arts, ancien couvent des Dames de Saint-Pierre, etc., etc. Une conférence, donc, comme on le voit, assez chargée. Une troisième conférence évoquera les théâtres, tous ces théâtres, les théâtres de l'Eldorado, bien évidemment, la Cigale, qui est devenue aujourd'hui le théâtre Tête d'Or, grand lieu de l'opérette à Lyon, mais aussi qu'est-ce que le théâtre du Cothurne, le théâtre de la Comédie, le théâtre des Marronniers, le théâtre de la Comédie qui donnera plus tard le TNP, Théâtre National Populaire, et puis, on l'oublie très souvent, Lyon a eu pendant un certain temps de très nombreux théâtres de Guignol pour la diffusion de cette culture un petit peu partout dans la ville. Ça donnera donc lieu à une troisième conférence. Une quatrième conférence sera l'objet des grandes salles de cinéma, mythiques évidemment, où était le Royal, le Comédia, qui est une des rares salles qui reste encore, mais aussi les Gémeaux, l'histoire des CNP, Cinéma National Populaire, l'ambiance, la Storia, le Paramount et le Ciné-Journal. Où étaient-ils, comment sont-ils nés et pourquoi sont-ils morts? Une cinquième conférence donnera lieu justement au lieu d'exposition, de créativité et d'autres diffusions culturelles, comme par exemple le Palais de Bondy, pourquoi est-il né, qui est certes une salle de concert, mais aussi une salle d'exposition, de peinture, le Palais de la Foire, pourquoi et quand a-t-il été créé, Eurexpo, les Subsistances, la Fondation nationale de la photographie, quand, où, comment, et puis les fameuses grandes expositions universelles à Lyon, qui ont toutes été malheureuses, en 1872, 1894 et 1914. Et puis, chose particulière, j'évoquerai aussi les stations de métro, qui sont des lieux de diffusion de l'art avec de l'art contemporain. On verra pourquoi, comment. Ce sera donc le lieu d'une cinquième conférence. La sixième et dernière conférence fera l'objet des autres lieux de spectacle aux activités diverses, comme par exemple l'Alcazar, le premier grand lieu multiculturel de la rive gauche, où il y avait aussi bien des meetings politiques, que des défilés de mode, que du théâtre, ou des réunions de boules, ou des réunions philanthropiques. On évoquera aussi le Casino Kursaal, qui est devenu le Pâté Bellecour. Le Théâtre Bellecour, lui, est devenu la FNAC. Et puis, on évoquera l'Horloge, l'Olympia, les Folies Bergères, car on pense très souvent que ce n'est que l'apanage de Paris que les Folies Bergères.
On évoquera aussi en plein cœur la Scala, ce qu'est devenu la Scala, donc ses autres lieux culturels aux activités diverses, théâtrales ou cinématographiques.